Bonjour. Dans quelques jours, va se courir le marathon et je sais que parmi les diabétiques, beaucoup souhaitent participer à cette compétition. Je voudrais aujourd'hui donner quelques conseils à ces patients diabétiques pour que tout se passe pour le mieux. Alors tout d'abord, la première étape, c'est bien entendu la préparation et l'entraînement. Je ne reviendrai pas dessus, mais il faut par exemple pour les diabétiques qui sont traités par l'insuline, qu'ils évaluent les besoins en insuline et surtout l'évolution des besoins en insuline en fonction de leur course. C'est la première chose. Quelques jours avant l'épreuve, 3 jours en principe, il est souhaitable effectivement de recharger l'organisme en glycogène. Glycogène qui va se loger au niveau du foie, se loger au niveau des muscles et va être utilisé pendant la compétition. Et pour ce faire, il faut impérativement que la ration calorique apporte à peu près 60% de glucides. Donc c'est très important de recharger l'organisme en glucides dans les 3 jours qui précèdent la compétition. Glucides que vous trouverez préférentiellement dans les farineux, féculents, légumes secs et dans les fruits. Bien entendu, on peut à cette occasion aussi consommer de petites quantités de sucre à index glycémique élevé. Et je conseille aussi de faire attention au FODMAP, puisque évidemment, si pendant la course vous avez des ballonnements, des douleurs digestives, etc., vos performances seront bien altérées malheureusement. Donc prudence par rapport au FODMAP et rechargeons au niveau des glucides. Le jour de la compétition, il est clair que lorsque l'on est diabétique, on doit impérativement se prémunir de l'hypoglycémie. Pour cela, quelques conseils. Tout d'abord, on peut préparer une boisson soi-même. Ce n'est pas la peine nécessairement d'acheter des boissons énergétiques. La boisson que l'on peut préparer, c'est par exemple 2 tiers de jus de fruits, jus de raisin, jus de pomme, 1 tiers d'eau, éventuellement 1 g de sel par litre pour éviter la déshydratation. Et on peut emporter aussi quelques fruits secs, de la pâte d'amande, etc. Si dans ces conditions-là, vous avez effectivement nécessité de vous réhydrater, pensez bien entendu à vous arrêter aux stands qui sont tous les 4 à 5 km, même si vous n'avez pas soif. C'est ça qui est très important parce que malheureusement, la soif est altérée dans ces compétitions-là. Et donc, vous devez impérativement penser à vous hydrater même si vous n'avez pas soif. Et on peut considérer, si vous voulez, que on va, avec la boisson que vous avez préparée, consommer à peu près 250 millilitres par demi-heure. Donc, généralement, ce que l'on préconise, c'est effectivement de petites gorgées très régulièrement pour arriver à consommer la quantité nécessaire. Très important, pensez à vous hydrater. Alors après interviennent des phénomènes climatiques. Pensez aussi que lorsque il fait très froid, vous aurez besoin de plus d'apports énergétiques et moins d'apports hydriques, donc il faudra plutôt recharger en glucides pendant la compétition. Et à l'inverse, lorsqu'il fait très chaud, vous aurez besoin de plus d'apports hydriques et moins d'apports énergétiques. Donc là, il faudra boire davantage. La compétition est finie et à ce moment-là, bien entendu, vous devez impérativement surveiller votre glycémie pour vérifier l'adaptation du traitement. C'est extrêmement important. Quant aux personnes qui utilisent aujourd'hui les capteurs de glucose qui permettent une lecture en continu de la glycémie, je leur conseille bien entendu de vérifier pendant la compétition quelle est l'évolution de leur glycémie pour justement éviter l'hypoglycémie. Voilà, je pense qu'avec ces quelques conseils, tout devrait bien se passer et je vous souhaite bonne course à tous. Merci.